Et coucou les licornes. Alors, carnet de voyage verso J300 305 sur 365. Alors, je vous fais un live très rapide parce que je vais prendre la route pour retourner à mon chez moi. Voilà, l'opus se termine. Ça a été très très intense. Voilà. Ce que j'ai envie de déposer là très brièvement, c'est que parce qu'on a des résistances, alors on vient fuir beaucoup de choses. On ne le fait pas en conscience. Ça demande de savoir observer ce qui se présente et savoir si c'est pas ok ou si c'est parce que justement il y a des résistances qui sont là à embrasser pour processer et évacuer ce qui est prêt à partir. Voilà, pour ma part, les prises de conscience que j'ai tout de suite, c'est vraiment l'accueil du recevoir, l'accueil de l'amour de l'autre et moi de pouvoir donner aussi cet amour. De par nos parcours d'incarnation, de nos histoires de vie, on est nombreux à s'être coupés de l'amour, dans le donner et recevoir surtout. C'est extrêmement compliqué, donc ça peut nous énerver. Et moi, c'est ce qui venait fortement m'agacer. Les gens qui sont des câlins, les gens qui sont dans l'amour, love, love, love. Tout simplement parce que ça me renvoyait à moi inconsciemment ce que je n'étais pas en capacité d'accueillir pleinement en moi. Ce week-end, c'est venu me chercher dans plein d'espaces, dont celui-là. Et le cadeau de souffrir tout ça et de pouvoir embrasser pleinement tout ce qu'on processe sur notre chemin de libération est tellement cadeau parce que ça vient nous alléger, ça vient contribuer à nous et puis pas qu'à nous, mais dans un premier temps, c'est déjà de voir pour soi parce que l'objectif de ce chemin, c'est... Bon, ça a coupé. Donc je disais que l'objectif de ce chemin, c'est quand même d'être bien avec soi-même. Marie-Pierre, coucou, ça coupe, ouais. Voilà, c'est quand même d'être bien avec soi-même. C'est d'accéder à la légèreté, à cette pétillance, à la joie de vivre et d'être en incarnation. Et je sais que sur ce chemin, il n'y a pas beaucoup d'âmes qui en sont là. Et ça passe par beaucoup de souffrances, de douleurs à évacuer. Pour retrouver son être-té, son unité, son unicité, son être unifié. Et c'est des strates. Ce chemin, on le fait à la fois seul, individuellement. Ouais, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Bon, je finirai cette phrase et puis après je clôturerai. Et puis, voilà. Donc ce chemin, on le fait seul parce qu'on ne peut pas le faire seul, on le fait ensemble. Ça doit être le vent. Merci pour le coucou. C'est ensemble qu'on peut le faire, en soutien, en partage, en reliance. Sinon, c'est abyssal et beaucoup trop compliqué. Voilà. Et bon, comme comme le dit Marie-Pierre, bon, je vous fais juste un petit coucou et puis je vous ferai un live demain. Et puis pour ceux qui sont sur YouTube, désolé, je n'ai pas pu mettre les vidéos. J'étais un grand bouddha cosmique de grande sagesse pour la grande patience pour pouvoir télécharger les vidéos, mais ça n'a pas été jusqu'au bout du processus. Voilà, donc je ferai tout ça ce soir en rentrant. Et puis c'est comme ça. voilà, ceux qui sont sur Facebook auront pu voir les lives et ceux qui sont sur YouTube, eh bien les verront en décalé. Ou sinon, faut venir sur Facebook. Voilà. Bon, du coup, comme il y a beaucoup de coupures, eh bien je vais m'arrêter là. Je souhaite à tous un très bon lundi et je vous dis à demain pour un nouveau live où là il y aura du réseau. Et puis voilà, je suis aussi sous le voilà la fin de l'opus, mais bien sûr que ça processe encore profondément et que ça va continuer bien sûr. Ça a été très initiateur et beaucoup d'allègement, mais c'est beaucoup de process et ça demande aussi du repos et de prendre beaucoup de temps pour soi ensuite pour accueillir tout ce qui s'est passé
pendant, voilà, pour moi en tout cas, cette grande intensité de cet opus ici.